4. Mais ta gueule, toi, ta caméra. Non, là. Non, arrêtez avec vos manières. Arrêtez avec vos manières. Tu es masqué. Moi, j'étais étudiant, j'ai fait des manifs, donc tu me l'as dit, c'est pour parler publiquement. Donc pourquoi tu ne veux pas parler publiquement? Donc c'est ça que je comprends. Donc pas parler publiquement avec des gens comme toi, c'est tout, tu vois. Ah bon, parce que quand il y a des règles de débat et qu'il y a 5 personnes avec des caméras, tu penses bien que tu te sens pas un peu auto-censuré, genre. Hein. Mais moi je fais pas un news scellé. Sur Charlie Hebdo, tu sais très bien comment ça marche. Je fais pas news scellé, je fais un documentaire personnel. Ouais, bien sûr. Bah oui, bah bien sûr. Ouais, bien sûr. Tiens, regarde. Charlie Hebdo. Bah regarde, tiens, je te montre. Je te montre ce que je fais là, tu vois, non, regarde, c'est ça. Ça. Tu t'en fous, tu en veux pas? Bon, bah alors, me dis pas. Y'en a marre! Les charlatans! Y'en a marre! Et le printemps! Y'en a marre! Bah justement, c'est parce que vous l'avez pas lu, c'est juste mais ils l'ont pas lu. Vous êtes tous pathétiques. Mais ils l'ont pas lu. Lisez-le, vous parlez d'un truc que vous connaissez même pas. C'est incroyable. T'as vu à un moment écrier à bas la laïcité, etc. Ces idées-là, malgré tout, elles existent, elles sont diffusées. Donc il y a vraiment un retard, il y a vraiment un problème idéologique. Vous pouvez pas regarder, je me filme, mais à un moment donné, ça me fait chier de voir des gens qui ont des idées qui sont pas illégales et qui ont peur d'être filmés. Je me filme moi, depuis, ça fait une heure que moi je me filme. Mais si, vous êtes des trouillards à un moment donné, voilà, c'est ça que je dis moi. Mais regardez, je me filme. Alors c'est bon, moi j'ai pas peur d'être filmé, voilà. Non mais ça commence à me faire chier moi leur truc. J'aimerais bien vous inviter à Nanterre, mon labo est à Paris 7, mais j'enseigne à Nanterre et j'aimerais beaucoup vous inviter à Nanterre. C'est mai 2018, on prépare les commémorations, on ne parle que de ça, mais je suis sûre que ça passera pas. Je serai là pour vous défendre, surtout à Nanterre. C'est terrible, c'est-à-dire qu'on était une des rares facs de France, on n'a pas pu afficher « Je suis Charlie ». À Nanterre, c'est pareil qu'à Samy, mes collègues témoignent de la même chose. À chaque attentat, le nombre de jeunes femmes voilées double, triple. Mais c'est absolument le lendemain. Il y a des voiles qui apparaissent. Donc ça s'est calmé cette année, j'ai l'impression. Et j'en ai parlé avec mes collègues de Nanterre, dont la vice-présidente, etc. Ça s'est calmé à Samy aussi, mais le pire est arrivé. Charlie Hebdo, d'accord, s'il critique le prophète, il n'y a aucun souci, le prophète en a déjà critiqué dans sa vie, il n'a rien fait, donc voilà, je fais comme lui. Par contre, ce que je reproche à Charlie Hebdo, c'est une sorte d'humour de lâche, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle donner une blague. Ça me paraît permanent. C'est une montre de lâche, parce que si critiquer le prophète, et en même temps il critique les vraies religions dominantes, que j'appelle la religion capitaliste, qui tue des gens, je parle pas de la pollution et tout ce qui va avec, à la limite, je dis voilà, c'est l'écu probable, ça critique tout le monde. Non, c'est que le christianisme et le musulman. Ça s'appelle la lâcheté, ça s'appelle claquer sa grand-mère. Je vais juste vous répondre, j'ai pas du tout la même définition que vous de la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est la liberté de conscience. Point final, ne reprenez pas les mêmes propos de Tariq Ramadan, parce que Tariq Ramadan a dit de Volinsky et de Charme qu'ils avaient un humour de lâche. Donc ne reprenez pas ces mots-là, vraiment pas. Et la dernière chose, je crois, je finis, et je vous jure, je vous laisse parler après, mais je crois vraiment, mais vraiment, qu'il faut que vous lisiez Charlie. Tous ces mecs qui sont contre le spectacle de Charme, quoi. Ça te... Bah non, mais ça me ça fait... Ça te déprime pas? Si, parce que non, mais ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé qu'ils lisent le bouquin avant. Parce que là, d'un seul coup, bah, c'est pas crédible, quoi. Voilà, le problème, c'est qu'ils sont pas crédibles. J'aurais bien aimé avoir des mecs vraiment crédibles, qui ont une vraie architecture, une vraie colonne vertébrale idéologique. Mais là, c'était pas le cas, quoi. Et donc c'était un peu triste pour ça. Voilà, c'était un peu des bouffons et c'est dommage. Parce que, à la limite, je suis sûr qu'il y a plein de gens que je pourrais être des potes là-dedans. C'est terrible.